En 2022, des ingénieurs engagés par le gouvernement inventèrent les Cerbères. Ces machines dotées d'extraordinaires capacités de combat permirent aux dirigeants d'asservir le peuple et de régner sur une population soumise. Au cours d'une bataille, des espions rebelles réussirent à dérober les plans secrets de l'arme absolue du gouvernement, Ultima, une sentinelle dotée d'un armement assez puissant pour annihiler une ville tout entière. Dans 20 minutes. Station, j'écoute. Vous êtes repéré. Sauvez-vous. Quoi ? Quoi ? D'un serpent ! Go ! Go ! Go ! Go ! Il a dû leur arriver quelque chose. Ça fait une heure qu'ils sont partis. Alex, faut qu'on y aille. Je le sens pas. Arrête, tu fais peur à Seti. Et il a raison d'avoir peur. Vous pouvez me dire que vous avez pas peur ? Dites-le. On est là à l'air libre, ils peuvent tomber dessus n'importe quand. Il suffit qu'ils mettent la main sur... Vincent ! Calme-toi, ça sert à rien de t'énerver. On va bientôt partir. Ok, chef. T'en fais pas, petit bonhomme. T'es pas grand, mais t'en as dans le ventre. En fait, t'as quelque chose de vraiment très important dans le ventre. Ben, ça plane pour moi aussi, alors. Tu crois qu'il leur est arrivé quelque chose ? Je sais pas, mais on peut pas rester hors communication si longtemps. Faut qu'on rentre à la base. Ok. Je leur donne encore 10 minutes et après on va... Cerbère ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Je suis la seule survivante des attaques qui ont coûté la vie à notre chef. Grâce à son sacrifice, je peux encore aujourd'hui lancer un appel au peuple. Parmi vous se trouvent des gens qui sont prêts à se lever et à se battre, qui sont prêts à se révolter pour défendre notre liberté. Ceci est un appel aux armes. Et pour vous du gouvernement qui écoutez ce message, sachez ceci, nous avons toujours les plans.